Merde, où je suis là? C'est pas croyable. Ah. Ok. Si, t'as changé ici. Le succès de Thriller, qui aurait pu être perçu comme un bonheur, fut en réalité la pierre angulaire de la carrière du chanteur. Après cette soirée du 16 mai 1983, plus rien ne fut comme avant, et le monde, en particulier les médias, commencèrent à s'intéresser de près à l'artiste. Certains remarquèrent déjà que le physique de Michael n'était plus le même sur la jaquette de l'album. Sa peau était moins noire, son nez était différent. Michael répondit qu'il avait changé de régime, tout simplement. Mais certains fans, eux, sortirent le fait qu'il s'était cassé le nez. Et en vérité, il fallait chercher beaucoup plus loin. Je vous avais déjà parlé du surnom de Smelly que Quincy Jones donnait à Michael, mais ses frères et surtout son père en avaient un autre. Big Nose, gros nez. Ouais, c'était pas fin. Lorsqu'en 1983, il voulut se différencier de sa famille, Michael commença la chirurgie et ne s'arrêta plus. Le summum fut atteint le 27 janvier 1984, lorsqu'au cours d'un tournage pour une pub Pepsi, Michael fut brûlé au second degré à cause de feux d'artifice. La boîte crânienne était atteinte, le chanteur dut avoir recours à la chirurgie, mais pire, il développa également une dépendance aux médicaments antidouleurs, qui eut, on le sait, des issues fatales. La même année, et après avoir enregistré la version audio d'E.T. supervisée par Spielberg et Quincy Jones, Michael déménagea et commença à construire son propre domaine. Il appela les maîtres de Disneyland, notamment des constructeurs d'animatronics, pour créer des attractions dans sa propre maison. Et il appela son endroit Neverland en hommage à J.M. Barrie, le créateur de Peter Pan, dont il était fan, et commença à l'aménager en ménagerie. Oui, les journalistes autorisés à pénétrer dans son domaine se retrouvèrent alors nez à nez avec des lamas, un serpent géant, des oiseaux et un chimpanzé. Ils découvrirent également, intentionnellement ou pas, que Michael Jackson dormait dans un caisson à oxygène, qu'il appelait ses statues par leur prénom et qu'il commençait à s'entourer d'enfants. Car, disait-il, ils sont plus honnêtes que les adultes. Et c'est ainsi que toute la presse commençait à le surnommer Wacko Jacko. Le doudingue, chouette surnom. Et pendant ce temps, Michael commença à utiliser également son argent et ses dons intelligemment. Via Paul McCartney, par exemple, il acheta les droits des chansons des Beatles et voulut dépenser, entre autres, $1 million pour acheter les os d'Elephant Man, pour un deal refusé par Londres. Mais il donna également beaucoup de ses ressources envers de nombreuses associations. Il fut même cité par le Guinness Book of Records comme l'artiste ayant le plus donné. Et il investissa, par exemple, dans les hôpitaux. Il versa aussi tout l'argent de sa fameuse promo Pepsi, celle où il a été brûlé, soit $1.5 million, pour fonder un centre pour les grands brûlés, justement. Et en 1985, il récupérera aussi le projet initié par Harry Belafonte de créer un super groupe afin de récolter des fonds pour contrer la famine en Éthiopie. Le fameux USA for Africa, créé donc en partie par Harry Belafonte et Lionel Richie, qui trouvèrent en Michael un ambassadeur de choix que l'histoire retiendra au final. Oui, enfin, certes, il a écrit les paroles de la chanson, le Michael, avec l'aide de Quincy, mais le reste vient surtout de Lionel Richie et d'Harry Belafonte. Et ils parvinrent à réunir une pléthore d'artistes entre Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Ray Charles, Stevie Wonder, et le single We Are The World cartonna et se vendit à 20 millions d'exemplaires. L'impact fut tel que la nouvelle version 25 for Haiti, initiée par Jamie Foxx en 2010, fut très rapidement laissée pour compte, avec carrément de l'auto-tune dedans. Sérieux, de l'autotune, le cancer des années 2000. Alors que la chanson originale, c'est quand même... Ouais, légèrement plus classe. Et étrangement, la même année, en 1985, Coluche et Jean-Jacques Goldman lancèrent la campagne des Restos du Cœur et cette chanson-là. Avec un peu moins de monde. C'est marrant, les coïncidences.
Et c'est aussi en 1985 que Michael Jackson commença la production de son album post-thriller, toujours avec Quincy Jones en production musicale et tout en pensant aux clips pour promouvoir les singles. Et de ce fait débuta aussi en 1985 la production du segment Smooth Criminal, qui deviendra par la force des choses le film Moonwalker en 1988. Ouais, trois années de production qui se révélèrent d'un chaos absolu pour tous ceux qui travaillèrent au projet. Mais ne grillons pas les étapes, car en 1987 sortit donc Bad, troisième album solo de Michael sous l'égérie Epic. Et malgré de bonnes critiques et d'excellentes ventes, hein, plusieurs millions vendus, 5 singles qui restèrent numéro 1 des semaines durant, soit plus que pour Thriller, de magnifiques morceaux tels que Dirty Diana, Man in the Mirror, surtout dont il réversa toutes les ventes du single au camp Ronald McDonald pour les enfants cancéreux, hein, quand même, et ben les critiques comparèrent l'album Bad à l'immense succès de Thriller et le considérèrent, donc à tort, comme un flop. Et le public, quant à lui, avait probablement placé la barre super haute, surtout à l'annonce de nombreux duos avec Prince, Aretha Franklin, Whitney Houston et Barbara Streisand qui, au final, n'aboutirent jamais dans l'album. Et de ce fait, en 1988, aucun Grammy ne vint récompenser l'album. Il ne fut même pas cité dans les 40 meilleurs albums de 1987 par le Village Voice Critics, et pire encore, il fut même nommé dans le sondage des plus mauvais chanteurs de l'année. Et ouais, ces excentricités, relayées par la presse, avaient fait leurs dégâts. Michael était blanc sur la pochette, le clip Bad, réalisé par Martin Scorsese, était loin d'égaler la magnificence de Thriller, et la chanson Leave Me Alone, critiquant justement l'harcèlement de la presse, oubliait de rappeler que c'était Michael lui-même qui laissait filtrer ses infos, parce que ça le faisait marrer, comme pour la fameuse histoire du caisson à oxygène, où, en vérité, il s'agissait juste d'un coup monté par l'artiste pour promouvoir Captain EO. Oui, Captain EO, le fameux clip de 86 créé pour Epcot Center, produit par George Lucas, réalisé par Francis Ford Coppola, carrément similaire à Star Wars et dont le final est étrangement très proche du final de Land Without Feelings, un téléfilm des bisounours, oui, de 1983. Et de ce fait, parce que de plus l'album Bad c'était un projet très personnel pour l'artiste, hein, il composa 9 des 11 chansons du disque, il reversa également tout l'argent de sa tournée Bad pour les enfants défavorisés, et bien Michael, être solitaire de son état, s'isola beaucoup plus dans son ranch de Neverland pour n'apparaître qu'à de rares occasions. Et après la sortie du film Moonwalker, ce fut une erreur. Il est d'ailleurs assez curieux de remarquer la non-présence d'autres jeux Michael Jackson avant la sortie du film. Bon, peut-être à cause de la date, hein, peut-être parce que Thriller sortait en pleine crise, mais bref. En 1989, donc, sortit Michael Jackson's Moonwalker sur console Sega, afin de mettre en avant la console. Et effectivement, hein, je me souviens que le jeu tournait à fond dans le magasin sur le Mega Drive. Et au lieu de vous faire, comme d'hab, une version puis une autre, on va comparer les deux. Celle sur Mega Drive et celle sur Master System, en commençant déjà par l'arrière de la boîte. Oui, parce que les traductions approximatives sont toujours très drôles. Alors, sur Mega Drive, hein, nous apprenons qu'on doit... marcher sur les agresseurs, forcer les minables et faites sauter les petits voyous. Ce qui ne veut rien dire. Tandis que sur Master System, nous avons piétiner les agresseurs, neutraliser les méchants et arrêter les vauriens. Ouais, voilà, bon, ça c'est un peu plus. Enfin, c'est une traduction un peu plus normale. Bref, en fonction de la cartouche. Voilà. Bon. Alors, au niveau des écrans-titres, c'est exactement la même chose. À noter que sur Mega Drive, nous pouvons y jouer à deux. Et sur Master System, la démo joue comme une merde. Bon, allez, lançons le jeu. Ok, là, je n'ai absolument pas compris ce qu'il se passait. Bon, heureusement que la version 8-bit est là pour nous faire comprendre qu'il s'agissait d'une transformation en voiture. Et c'est parti! Et les deux jeux commencent avec Smooth Criminal en version assez correcte, sauf quand on passe dans les aigus. Pour les deux jeux, comme pour la version arcade, le but ici est de trouver tous les enfants paumés, cachés dans des portes, des feuillages, des tombes, des coffres de voitures ou que sais-je. En gros, oui, ils ont juste récupéré le gameplay de Shinobi, hein. Mais bon, ce n'est pas le plus grand intérêt du jeu. Oui, Michael peut donner des coups de pied, faire le moonwalk sur les deux versions, donner des coups de bite sur Mega Drive,
Oui, c'est totalement inutile, mais il peut le faire. Et Michael a également de la magie qu'il peut dépenser pour envoyer son chapeau. Ou bien développer un charisme si puissant que tout le monde se met à danser autour de lui. Même les clébards. Bon, sur 8 bits, c'est un peu la loose, Michael il danse tout seul. Son charisme, il est moins bien. Oui, parce que sur Mega Drive, cela draine de la vie à mort, ce machin-là, de faire danser tout le monde. C'est classe, d'accord, mais voilà, une fois la vie au minimum, c'est un peu la loose, parce qu'on ne peut que donner des coups de poing. Et notons que sur Master System, le chapeau est un objet bonus qui nous fait rien perdre du tout. Bon, au niveau des ennemis, par contre, c'est exactement la même chose. Hein. Nous avons le classique larbin qui fait rien, le larbin qui a un port d'armes, et la prostituée qui... elle ne fait rien, elle fait rien perdre, juste notre temps, quoi. Pars-toi, t'es une fille! Et voilà, le jeu c'est ça, hein. En gros le niveau de la tour de Londres d'Astérix et Obélix, mais sur tout un jeu, et au rythme de la musique de Michael. Et donc une fois qu'on a trouvé tous les enfants, on trouve Baba Bubbles sur Mega Drive qui nous guide, et nous devons aller au point indiqué par ses actions de bras pour lancer la séquence du boss. Boss qui se ramène, qui nous fait « Ah, tu mourras pas !» et qui se barre en laissant ses goons. Bon, sur 8 bits, on a juste un fondu, le méchant qui rit, et c'est le boss direct. Pas de Bubbles. Baba ! Le jeu n'est pas mauvais en lui-même, hein, il est même assez sympa, ne serait-ce que par les graphismes détaillés, la bande-son tonitruante, en même temps c'est du Michael, l'animation du roi de la pop, mais le problème vient surtout du gameplay choisi. Oui, car très souvent à la fin d'un level, alors qu'il nous reste encore des gamins à choper, eh bien il se peut qu'on passe encore plusieurs minutes à comprendre quels éléments du décor nous n'avons pas fait. Par exemple les fenêtres, hein, c'est tout con mais faut y penser. Ou quelle porte nous avons pu oublier? Les buissons, qu'on ne voit pas forcément, parce que noir sur noir, y a plus d'espoir. Ou bien dans le niveau de la caverne, où après avoir tout fait, même ces satanées grottes avec des araignées tout partout, on finit par trouver la gamine derrière la cascade. Sans compter ces satanées bombes qui nous explosent à la tronche dès qu'on ouvre un truc. De plus, il y a un léger souci au niveau de la bande-son par niveau. Oui, parce que pour le passage dans le parking, on s'entendrait plutôt à la musique de Bad, hein, au lieu de Beat It. Bah là, c'est Beat It. Tout comme Thriller à la place d'Another Part of Me du cimetière. Oui, c'est Another Part of Me, j'avais un peu bafouillé la dernière fois. D'ailleurs, en parlant du cimetière, c'est un peu le niveau le plus relou de tout le jeu. Alors déjà, que ce soit dans n'importe quelle version, je comprends pas comment un architecte a pu construire un truc comme ça. Je veux dire, imaginez la galère d'enterrer ce type ici, là. Voilà, avec rien pour passer le corbillard, de l'escalade pour aller déposer une gerbe, et pas assez de place pour le cortège. Mais bref, le plus chiant, c'est les zombies qui nous envoient leur propre corps dans la gueule. Bon alors par contre, heureusement, on peut très souvent spammer les boss. Ouais, si on se met dans un élément du décor en second plan, en plus les ennemis ne nous touchent pas. Mais le jeu reste assez classe, déjà par les moments de danse, et il y a aussi ces passages typiquement Michael Bay, où si l'on fait tomber un stalactite sur le mec, il explose! Non mais sérieux, zombie plus explosion! Et le dernier stage, que ce soit n'importe quelle version, il est légèrement similaire, avec ses téléporteurs relous et son labyrinthe assez galère. Oui, alors privilégiez une bonne organisation pour vous farcir les niveaux, surtout dans des moments comme celui-ci où t'as des téléporteurs partout. Et enfin vint le dernier boss, le fameux Mr. Big, qui, sur Mega Drive, est carrément incompréhensible. Oui, après un passage pompé sur la fin de Contra, sur la cinématique, nous sommes dans l'espace et franchement, je comprends rien. Et une fois battu, sans qu'on sache comment, on a un vieux texte pourri et il danse. Oui, la fin est naze. Sur Master System, par contre, au niveau du boss, nous avons un niveau, tiens, comme dans Contra, où on doit bousiller ses têtes de laser de machin avec la tronche du méchant qui nous nargue et les missiles à tête chercheuse. C'est assez chaud car il faut tirer que quand c'est ouvert et quelquefois on attend des heures au même endroit avant que le tir touche enfin un bon moment. Mais bon, c'est une petite difficulté, c'est assez sympa. Bon, la fin est un peu nulle aussi. Michael Jackson's Moonwalker a assez mal vieilli. Ouais, sur 16 bits, pour quelques passages d'épicness qui nous drainent la vie à mort, nous nous bouffons un gameplay à la ramasse, des ennemis à foison facilement spammables, un combat de fin raté, et même le fait de pouvoir se transformer en robot est rendu inutile par le fait qu'on ne peut plus fouiller les lieux une fois transformé. C'est juste de la perte de temps. Oui, sur Mega Drive, on peut se transformer en robot quand on touche une étoile filante. Mais j'avoue avoir quand même envie quelquefois d'y rejouer. À la différence de la version Master System qui, alors même si de nombreux défauts sont corrigés, hein, la magie par exemple, les niveaux ont un pattern assez linéaire et une fois le chemin le plus optimal trouvé, y a peu d'intérêt de les refaire. Même les boss perdent de leur challenge, hein. On trouve juste la bonne zone, on se baisse et on spam. À part le dernier boss, qui a une petite difficulté. Et Michael a un petit côté Alto Machion quand il marche sur Master System.
Et en plus, depuis la mort de l'artiste, la valeur pécuniaire des jeux a cruellement augmenté. C'est un peu con, surtout pour un jeu assez moyen au final. Bon, enfin, chaque jeu a ses défenseurs. Moi, perso, je préfère carrément la version Master System en termes de jeu, mais Mega Drive en termes de rejouabilité. Et Michael attaqua les années 90 avec parcimonie, caméo dans un épisode des Simpsons, non crédité. Écriture d'une chanson pour les Simpsons, non crédité, pour un clip réalisé par Brad Bird. Michael a aussi fait une demande explicite de se faire appeler deux fois par semaine le roi de la pop par MTV. Oui, il avait un peu insisté, le surnom il n'est pas venu comme ça en fait. Et des concerts d'une épicness gigantesque comme lors de son final à Bucarest. Où il prit carrément un jetpack pour faire le tour du public. Bon, en fait, il a triché, c'était pas lui. Mais surtout, les années 90, c'était la sortie de l'album Dangerous, et sans Quincy Jones désormais, car Michael voulait une nouvelle sonorité. Il s'entoura de ce fait du producteur Teddy Riley, spécialisé dans le hip-hop, pour nous faire un album malheureusement en deçà des espérances et de la qualité d'un bad ou d'un thriller. Et Michael, dans l'album, devient le sauveur des minorités, prône l'écologie, combat le racisme, et tout ce que les gens retiendront, ça sera surtout ce mouvement dans le clip de Black in White. Ouais, je sais, c'est con. Bon, il sera tout de même un succès public et critique à nouveau, hein, avec 32 millions de ventes, des bons titres tels que Jam, dont j'en reparle un peu plus tard, ou Black and White, et 2-3 chansons assez... faciles. Je veux dire, Heal the World. Bon, d'accord, c'est une belle chanson, mais c'est juste en vérité une belle reprise de We Are the World, avec ce passage en plus. There's a place in your heart. Ouais, que j'ai déjà entendu quelque part. Ou Gone Too Soon, qui est une excellente chanson en hommage à Ryan White, décédé du sida. Like a rainbow. Mais elle ressemble quand même gravement à... Enfin, le segment le plus curieux de l'album est la chanson In the Closet, décrivant un adultère entre un homme et une femme, qui devait être interprétée par Madonna, la femme, mais qui fut remplacée par... sans déconner. Ouais, je déconne pas, c'était bien elle. Et les paroles sont assez... dérangeantes. Et ce sont entre autres ces paroles qui lui poseront problème quelques années plus tard. Mais l'histoire n'est pas terminée, et il reste encore quelques jeux à voir. Promise me whatever we say, whatever we do to be. Now I make a vow to